Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. Il est un petit peu plus de 19h sur LMTV, on est en direct et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi soir. Une émission très très musicale ce soir et moi ça me va bien, je vous l'avoue, parce que on a des gens talentueux sur le plateau, il y en a déjà qui sont là, il y en a qui sont en régie, vous allez voir, il y a plein de monde aussi ce soir. On recevra le groupe Stolen qui est une nouvelle formation qu'on va découvrir, il y aura du live avec eux, on parlera avec la compagnie Universelle de leur dernier spectacle qui arrive. Le collectif 507 nous présentera deux spectacles qu'il propose aussi. On ira aussi à la rencontre de Michael Gregorio juste avant son passage à Antares, au Mans, le 17 mars. Et puis, il y aura la carte blanche à Daigon, bien sûr, avec une petite surprise. Ça sera dans un instant dans l'émission. Et puis, Lola Baye est là aussi. Elle est juste à côté en coulisses. Elle vient bien sûr nous parler de son aventure dans The Voice. Vous en avez forcément entendu parler. Elle sera dans la deuxième partie de l'émission. Il n'y a plus qu'à prendre du montant, et vous savez quoi? Si vous le savez, ça commence maintenant. Et je vous le disais, il y a beaucoup de monde sur le plateau ce soir et ça me fait bien plaisir. On commence, alors ils ont beau être 5, et ben c'est les mêmes, hein. C'est pour le groupe Stolen. Bonjour à tous, je vais faire un bonjour global. Bonjour. Bonjour. Ah ben tout le monde a parlé, hein. C'est bien. On sent qu'ils ont répété, ils étaient synchro, nickel. Il y a Céline, je vais commencer bien sûr par vous. Il y a Laurent, il y a Ludovic, il y a Didier, il y a Thierry. Qui est qui? Allez, on va le faire rapidement. Didier. Moi, c'est facile. Ah, c'est facile, hein, c'est Céline. Ouais, même moi, j'aurais pu trouver. Je suis animateur, pourtant, mais j'aurais pu. Laurent. Ludo. Et Thierry. Et Thierry. De retour, hein, on était allé parler des 10 ans du silo d'ailleurs. Oui, on va en reparler parce que, évidemment, c'est là-bas que vous répétez. Eh oui. Ah bah, vous avez bien raison, c'est le bon endroit pour répéter. Stolen, une nouvelle aventure en fait pour vous tous, même si certains se connaissaient avant dans le cadre du groupe Cassis, c'est bien ça? Oui, c'est Céline, Didier et moi, on jouait dans Cassis jusqu'à l'été dernier. Et donc le groupe s'est arrêté, voilà. Levez-vous quand même, on dirait, parce que sinon on ne va pas vous avoir tant que vous ne jouez pas, voilà, parce que sinon on ne va pas venir vous entendre avec le micro, voilà. Okay, donc le groupe Cassis, voilà, on a arrêté le truc l'été dernier. 9 ans d'aventure quand même, hein. 9 ans, ouais. Donc c'est pas mal, 2 EP, plein de concerts, enfin voilà, c'était chouette. Ça a une fin, c'est que les groupes, c'est comme ça s'arrête. Et puis j'ai proposé donc à Céline et Didier de monter une formation de reprise, en fait. Et puis j'ai demandé à Ludovic, que je connaissais aussi, j'ai joué de la musique avec lui pendant 12 ans. Et en fait, il n'y a que Laurent que je ne connaissais pas qui a rejoint le groupe après. Ah bah, voilà, c'est le petit nouveau en fait, ouais, hein, voilà, qui est arrivé. Mais c'est sympa du coup, donc c'est une recomposition hein, pour poursuivre l'aventure d'une manière différente. Donc vous êtes un pop cover band, c'est-à-dire que les covers, hein, c'est des reprises, vous allez reprendre des titres existants. Qu'est-ce que vous allez faire comme style de musique? Tiens, Céline, par exemple, quel type de musique vous allez reprendre? Alors de la pop anglaise, style Cat It and Stole, Pink, Bruno Mars. Il y en a plein d'autres. Muse, oui. Texas. Vous faites plaisir, quoi. Voilà, que des débutants, que des gens pas très talentueux, tout ça, quoi. Que des trucs sympas. Ce que je propose, c'est qu'on écoute en musique les premières répétitions, parce qu'encore une fois, c'est tout nouveau. C'était justement au silo, j'en parlais tout à l'heure. On vous les court, voilà, pour voir les premiers pas hein, de Stolen. On y va. Girls search hallelujah, girls search hallelujah, cause uptown funk gon' give it to ya, cause uptown funk gon' give it to ya, cause uptown funk gon' give it to ya, Saturday night away in a spot, don't believe me, just watch. Yes please, won't you come and put it down on me, I'm right here, cause I need a little love, a little sympathy, yeah you sure. Ah, j'aime bien, c'était quoi ça? Oh, 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 c'est qui ça? Shania Twain. Shania Twain, voilà, c'est ouais. Ça, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Donc, bah, évidemment, on va vous retrouver dans les concerts, on peut vous appeler, même si on veut un groupe pour une soirée privée et tout ça, on peut se faire plaisir, quoi. Les gens nous contactent et puis on s'arrange et puis on va jouer, ou les gens veulent qu'on vienne jouer, nous on y va. Ah, parce que groupe nouveau, alors musicien par contre, d'expérience, hein, voilà, pour le coup. On est tous amateurs, mais on a déjà joué.
Sauf Laurent qui est un peu le débutant. Allez, boum boum, il vient prendre et Laurent ce soir. Bon, Laurent, vous sortez, c'est fini. Pourquoi vous êtes venu? Mais ça va pour du tout. Pour jouer un peu. Pour jouer un peu. Bon, ben ça va alors. Il faut le taquiner, c'est le nouveau, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours l'histoire, c'est comme ça. Ouais. Mon cher Laurent, première date qui arrive sur scène prévue le 19 mars pour Festi Motard. Donc voilà, une grosse fête et vous serez là. Oui, la musique c'est bien avec un motard, là. Une bonne pop festive, ça va être bien sympathique ça. Oui, oui, je pense. Bon, que ça vous êtes prêts? Ouais. Ouais. À fond. Encore deux, trois petits détails à régler. Ah, y en a, ils sont tous d'accord. Bon, y a encore des trucs à voir. On s'en est rendu compte hier soir en répète. Mais c'est à ça que ça sert. Vaut mieux s'en rendre compte en répète qu'après. Bon, 15 avril, c'est pareil. Alors, à Chenu, le 15 avril. Et puis même 18 juin avec Oma. Donc, ça y est, les dates se mettent en place pour. Depuis, il y a eu d'autres dates qui sont tombées aussi depuis. Bon, alors, on va sur Facebook. On remet l'info Facebook parce que du coup, c'est le bon endroit pour trouver les infos sur Stolen. C'est stolen.popcoverband pour accéder à votre page Facebook. Et puis, on en parle sur la page de l'émission. Nous, c'est très simple. Il faut faire Y'a plus qu'à sur Facebook. Vous avez liké la page, Stolen, là? Ah oui, oui. Ça fait un moment. Attention. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit live, les amis. Pas comme ça. Bah, bon. Moi, j'ai tout dit. Vous allez nous chanter quoi? Nous interpréter quoi? Cat It On Stall. Big Black Horse. Eh ben, on y va. C'est parti. Two, three, four, who? Me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a little fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. Big black horse didn't look this way. Said, how to say, would you marry me? Coming in a holy house, so stop to death for a beat or two. But I cut some corn and I shouldn't have done that, and I won't forget me after all these years. So I sent to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I won't come back cause it's just so happy. Now I've got a hope for the world to see. Bravo. Bon, alors c'est quoi la suite de l'aventure? On a dit les premières dates. Qu'est-ce qui vous manque là? Des contacts? On trouvait du monde pour avoir encore plus de dates? De quoi vous avez envie? Ah bah, oui, c'est ça. C'est d'aller jouer. Aller sur scène quoi. Hein. Ouais, d'aller jouer un peu partout, les cafés, même chez les gens, les salles, les fêtes de la musique. Voilà, dans les communes, partout. Nous, on veut de nous, on veut bien aller. Voilà, vous avez déjà 20 titres qui sont prêts pour faire un set. Là, on a de quoi déjà bien s'amuser et passer un bon moment avec vous. Donc,
L'appel est lancé, voilà, c'est aussi simple, je regarde mes amis téléspectateurs, si vous voulez avoir Stolen avec vous, bah, vous les appelez, et puis sinon vous allez voir au concert, on a parlé tout à l'heure, le 19 mars, le 15 avril, le 18 juin, et puis d'autres dates à retrouver sur la page Facebook. Sur la page Facebook, il y a déjà 6 dates de prévues d'ici l'été, et d'autres qui vont arriver là prochainement aussi. Ah bah super, merci hein. Merci d'être venu, nous voir. Dont il n'y a plus qu'à nous avoir fait le cadeau de faire ce live, parce que c'est jamais forcément un exercice très, très facile. Donc, mais c'est du vrai live, en direct, en acoustique. Donc, on a bien se compliquer les choses, mais c'était très bien. Et je vous remercie, c'est un vrai cadeau que vous nous avez fait. Je vais vous demander d'accueillir, vous restez avec nous, partez pas, parce qu'on accueille tout de suite la carte blanche de la semaine, c'est Daigon. Ah bah voilà, il vient pas tout seul Daigon en plus, il se fait à la maison. Ça va les gars? Oui, très bien. Ça va. Bah bravo les gars. Oui, alors voilà, on va laisser le cadran faire le truc parce que voilà, je suis tout petit. Donc les cadrans sont toujours très embêtés. Vous voyez, il y a ce côté-là, en direct, on le refait. Je vous laisse la place, vous m'expliquez pourquoi vous êtes pas venu tout seul, oui, mon ami. D'accord. Alors en 30 secondes. L'autre fois je suis resté sur la lettre F, c'était fait du bif, j'avais fait un live, on va dire, rapologique, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous présente du coup Alexis. Que je connais depuis 3-4 ans, voilà, donc qui écrit tout ça, voilà, qui participe à nos ateliers dits La Friche, et voilà, et qui, du coup, je me suis dit, pour la lettre G, donc, gâchis, ce serait bien de passer le relais à mes soldats, comme on dit chez moi. Donc voilà. Eh ben, on laisse alors. Pas de soucis. Les mémoires de ma vie m'ont ému, et je promouvois ma plume. Beaucoup de bonhommes dans l'abus, bousillés par l'amertume. Toutes les victimes de guerre, tétanisées par tant de cauchemars. Inquiet, je ne le suis guère, faut-il encore s'essayer à l'art? Perturbé de cette vie bipolaire, titubant entre deux vers, demeurant dans la galère, à pleurer à cœur ouvert. Un choix définit un avenir, et donc de ses conséquences, profite de tes jours à venir, remplis de bienveillance. Le rejet de violence rédigé dans mes lignes me maintient dans la confiance, me permettant de rester digne. Puis s'ouvre à mes yeux le retour à la réalité. J'écoute les jours heureux depuis que ce mal m'a quitté. Voilà. Bravo, merci. Donc la lettre, le mot c'était gâchis. Hein. C'était gâchis, voilà. Exactement. Donc, bravo, voilà. Mon cher Alexis. Bravo, toi, merci. À vous. C'était une première, c'est pas facile, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça se passe, un petit jingle et vous pouvez partir. Impeccable. Allez, jingle. Et ouais, voilà, petit jingle, et hop, je suis réapparu à ma place. Je vous propose dans un instant de découvrir Universcen. On va lancer un petit extrait. Je vais vous remercier, Stolen, d'être venu aujourd'hui. Magie de la télé, on va lancer un petit extrait de la compagnie Universcen. Et ils nous retrouveront sur le plateau juste après. Allez-y. Ne me quitte pas. Et ben voilà, c'était un très bel extrait de la compagnie Universcen. Et ils sont avec nous ce soir. Bienvenue à tous les trois. Merci. Merci d'être sur le plateau. Alors j'ai Laurent, j'ai Damien et j'ai Emma. C'est tout bon. Laurent, Emma, Damien. Bravo. Chaud à cœur, parce qu'il y a du monde ce soir. Faut suivre. Hein. Universcen, la dixième. C'est incroyable, ça fait 10 ans ou c'est dixième spectacle? Dixième spectacle. Bon, alors dixième spectacle en combien de temps? On va dire en 9 ans. En 9 ans, voilà. Donc on est presque là, on est presque à un spectacle par an, c'est presque pas loin. On n'est pas loin de l'idée. On va représenter un peu Universcen, si vous voulez bien, avant de parler de ce spectacle, parce que vous avez une association qui fait à la fois des cours de chant d'un côté, et puis qui fait ces fameux spectacles du coup de l'autre, c'est bien ça? Tout à fait. Donc en fait, tout simplement, nous sommes 30 chanteurs sur scène, tous les mercredis... Rien que ça, bam, 30, bing. Tous les mercredis soirs, nous avons donc des cours de chant avec un coach vocal. D'accord. Et puis, on prépare donc le spectacle pour l'année d'après, à chaque fois, toute l'année comme ça.
Alors du coup, dans l'année, il y a les cours et le spectacle. Est-ce que c'est des choses qui sont liées ou pas du tout? Ah oui, totalement. Hein, totalement. C'est-à-dire que vous prenez des cours pour pouvoir à la fin de l'année réaliser ce fameux spectacle. Exactement. En fait, il y a un thème, on fait souvent un thème, on choisit une liste de chansons et à partir de là, on part pour faire un spectacle. Après, les décors de ça se greffent par-dessus. Et vous travaillez avec toutes les générations. Hein. Il y a des jeunes, absolument, des moins jeunes, des plus vieux. Comment ça se passe justement pour faire travailler tout le monde ensemble? Eh ben, en fait, on pourrait dire que Universel est une famille parce qu'il y a depuis pas mal d'années, c'est toujours les mêmes personnes qui restent. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la famille Universel et l'âge... Peu importe. Alors quel style de musique vous mettez en avant justement dans la compagnie? Essentiellement la chanson française. Voilà, on fait beaucoup de chansons françaises. Ça reste vaste du coup. Complètement, si on veut préciser un peu. Bah, Johnny Hallyday avec Jacques Brel, Barbara, voilà, on peut en faire plein comme ça. Ah, mais, ne me quitte pas dans l'extrait. Et, par exemple. Avec Brel. Donc voilà, c'est vraiment une passion. Alors les plus jeunes, comment ils accueillent justement ces chanteurs-là? Eh ben, ils vont chanter du tal, les plus jeunes. D'accord, il y a ce mélange du coup qui permet à chacun de se retrouver. Bah, j'ai parlé à la plus jeune du coup. Bah, voilà. Elle se trouve comment la plus jeune? Enfin, dans les plus jeunes, en tout cas, j'imagine. Bah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts et ça va de Matt Pokora, tal, à effectivement Jacques Brel, Charles Aznavour. Donc après, chacun se retrouve dans les chansons qu'il veut. Même Matt Pokora. Même Matt Pokora. Dans le même spectacle, vous me mettez Matt Pokora et Jacques Brel. Eh oui, c'est un bon mélange. Je ne fais aucun commentaire, mais quand même. Là, ça doit être dur à certains moments, quand même. Hein, les transitions. Il faut venir voir le spectacle. Même dans les radios, ils ne font pas. Hein, ouais, enfin, soit Brel, soit pas encore. Enfin, bon, bref. Non, mais je plaisante, parce que justement, ce spectacle nous fait passer dans plein d'univers différents, de la chanson. Ça permet justement d'être un peu universel, quoi. Gens soient intéressés, peu importe l'âge. C'est-à-dire que le public aussi peut s'y retrouver, peu importe où il est. Puis peut-être aux plus jeunes de découvrir Brel, et puis aux plus anciens de découvrir Matt Pokora. C'est un bel échange, ça, pourquoi pas. Complètement. Après, et c'est vrai que si on devait comparer notre spectacle pour cibler un peu au niveau des gens qui nous écoutent, c'est Les Enfoirés en beaucoup plus amateurs, mais le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'il y a des décors, un petit peu d'humour. Et puis du théâtre, parce que justement, vous avez des cours de théâtre, enfin, des ateliers théâtre, etc. Qui sont en même temps que le... Pour justement mettre en place ce spectacle, il y a des répétitions, il y a des petites scénettes, etc. Donc c'est ça. Voilà, l'exemple des Enfoirés est bien pour... d'ailleurs, c'est ce soir, pour ceux qui nous regardent exactement en direct. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez regarder. C'est sur une petite chaîne voilà, qui fait des émissions sympas. Un truc à un, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on peut dire qu'on compte sur vous, parce que voilà, on peut acheter les DVD, etc. Je glisse un petit mot comme ça, parce que TF1 a besoin un peu de... Voilà, qu'on les aide à se faire connaître. Non, mais voilà, si vous n'avez pas vu que vous regardez l'MTV ce soir, n'hésitez pas à regarder Les Enfoirés et puis à les soutenir. Donc du coup, voilà, votre système, c'est un peu ça, c'est ce spectacle festif, on participe, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans celui de la 10e? Ça sera le 25 et 26 mars. Du coup, ça se passe à la salle Courmenil de Loué. C'est ça. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce 10e spectacle? Eh bien, justement, un peu comme on a dit tout à l'heure, du Brel, du M. Pokora, des surprises. Vous êtes nés, hein? Vous êtes vraiment que je plaisante. Des surprises, voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment marquer le coup cette année, donc ça va être vraiment un très très beau spectacle pour notre 10e et on espère que beaucoup de gens vont venir nous voir. Alors, vous êtes combien à bosser? On parlait de 30 chanteurs, mais il n'y a pas que des chanteurs, j'imagine, parce qu'il y a des décors, il y a des costumes, etc. Vous êtes combien à bosser pour que ce spectacle existe? Ah ben, on compte pas parce que les bénévoles. En gros, grosso modo, on va dire, allez, à peu près une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes pour que ce spectacle existe. Et vous le préparez pendant un an ou comment ça se passe? Oui, on prépare pendant un an. On se base déjà sur les chansons, sur à peu près, grosso modo, le thème, et après, on part sur le décor. Sachant que les décors, ben, c'est fait que par les bénévoles, tout est bénévole. Voilà, c'est vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un univers à ces spectacles? Du coup, est-ce que vous nous racontez, vous partez sur une thématique, vous le disiez tout à l'heure, c'est quoi? Tiens, on va demander à Damien, par exemple, parce que Damien, il répète tout à l'heure. Damien, il fait Oui, je suis d'accord. Mais j'affirme, c'est tout. Le thème cette année, c'est quoi? Puisque vous disiez qu'il y avait un fil conducteur. Ben, c'est la 10e, voilà. C'est le 10e spectacle, et donc on a voulu retracer. Les chansons en fait qu'on a pris des anciens spectacles, donc il y a les gens qui nous connaissent depuis 10 ans maintenant, ils vont retrouver des chansons qu'on a déjà fait en spectacle, accompagnées de nouvelles chansons également. D'accord, donc vous allez faire une sorte de feedback, de retour en arrière sur ces 10 ans de spectacle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la 10e, vous parlez que ça fait une famille qui existe depuis longtemps, qui sont là depuis le premier spectacle? Il y en a beaucoup, il y a quel pourcentage à peu près? Nous, ah, vous aussi? Oui. Mais vous avez commencé à quel âge? Moi j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Ah oui, d'accord. Mmh. Ok, et vous avez encore des petits minots comme ça qui tout chantent, qui viennent sur scène chanter? Oui. On a le plus jeune à 6 ans. Et là, on va dire la plus jeune, elle a 70 ans.
La, voilà, c'est ça, la bémol le plus jeune. Oh, ouais. C'est drôle ça. Et vous arrivez à ce que tout le monde. Est-ce que vous faites chanter les petits avec les petits et que, non. Ah non, non, c'est. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un mélange de toutes les générations et c'est ça qui est super parce que vraiment il y a une cohésion qui est très très forte et que. On espère durera très longtemps. Bon, c'est quoi les projets du coup pour la suite après ces 10 ans? Ça sera quoi la suite de l'aventure pour Universcen? Ah bah, continuer bien évidemment. Faut déjà qu'actuellement, bon, on est bien concentré sur le spectacle. Après, notre but c'est voilà toujours prolonger, trouver d'autres idées. Je pense que vraiment l'année qui va être forte, ça va être cette année. D'accord. Pour ouais. Vraiment marquer le coup sur les dixièmes, ouais. D'accord. Donc il y a quelque chose de plus, parce qu'on voit par exemple les installations sur les photos, etc. Il y a du matos, quoi. Hein. Il y a des choses importantes. Cette année, il y aura des choses justement un petit peu particulières qu'il n'y avait pas. Voilà. Me dites pas, vous n'avez pas le droit d'en parler, etc. Hein. Dites-moi deux, trois trucs quand même, hein, parce que sinon je me fâche. Hein. Belle chose qui va faire le décor, qui va marquer effectivement notre dixième année. Voilà. D'accord, vous allez construire un élément de décor plus important que d'habitude, plus costaud. Il est construit, il est énorme. D'accord. Voilà. Donc vous allez, c'est un immense gâteau. Ça. Peut-être. Combien de souvenirs pour le décor. C'est comme Johnny Hallyday. Ça fait quelques camions quand même, hein, parce que c'est une sacrée structure. D'accord. Voilà. Et tout ça, même principe, bénévolement. Avec bénévolement. Comment vous financez du coup? Comment vous arrivez à faire vivre cette association? Et puis, quand il y a des moyens comme ça importants. Alors, c'est beaucoup les idées, hein, des idées à droite à gauche. Tiens, on pourrait faire ça, pourquoi pas. On part sur les principes. Après, bah, par rapport à de la récupération, on fait quelque chose en dur. Voilà, on fait des beaux décors, de la peinture, et tout ça en interne. Quoi. On fait vraiment de A à Z le spectacle en fait. Et des sponsors. On peut vous aider si exactement, on veut, si on a un partenaire privé et qu'on veut tout à fait, aider votre action, vos spectacles, on peut le faire par exemple. Ah, bien sûr, tout à fait. On a plein de sponsors tous les ans. On a besoin des sponsors, c'est très important pour nous. Oui, dites pas que vous en avez plein à gaver parce que ça va pas leur donner envie de venir, Laurent. Non, il non, en veut bien encore, Laurent. Il m'a dit, il veut bien. Ah, si vous m'appelez, non, tout ça. Tout, mais on a vraiment besoin des sponsors. Il est vrai que voilà, sans eux. Il faut le rappeler, la culture a besoin d'argent exactement. Pour exister. Alors, c'est pour ça que moi je le dis. Moi, j'en parle sans tabou parce que voilà, il faut un peu d'argent pour faire fonctionner tout ça. Et puis vous le rendez quand vous êtes dans vos spectacles. Donc ce n'est qu'un échange, mais bon, l'argent, ça permet quand même de financer un peu les choses. D'ailleurs, l'entrée est à 12 euros pour le spectacle. Voilà. On n'hésite pas à réserver, hein, parce que vous avez un grand succès. Donc du coup, il faut réserver. On met le numéro de téléphone. Je rappelle les dates. Hein. 25, 26 mars, c'est le vendredi et le samedi, c'est à 21h. Il y a le 1er, 2 et 3 avril, c'est le vendredi et samedi, donc à 21h, et le dimanche en matinée à 15h. Voilà. C'est bien ça pour tout ce spectacle de la 10e, un nouveau spectacle tout neuf, tous les ans, même si... Alors, vous disiez, il y aura évidemment des rappels des premiers spectacles, puisque c'est cette 10e anniversaire que vous fêtez. Merci, les amis d'Universcen, d'être venus aujourd'hui sur le plateau. On continue dans un instant avec le collectif 507. Juste après, on aura aussi Lola Baye et une rencontre en images avec Michael Gregorio. A tout de suite dans Y'a plus qu'à.